my bones. A resurrection like a ghost. Hurricane, go ahead and blow. Where you could keep your white flag, I'll never fold. A shadow on a battlefield. A survivor, never yield. A thunder, go ahead and shake. Don't run from the storm when I feel the rain. There's no rest for the wicked. No victory for the weak. And when the weeds getting thicker, you'll never see me on my knees. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidéo HLG Machinerie. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Canada, dans l'état de l'Alberta. Et nous venons à la rencontre de l'exploitation céréalière familiale Ferme Maisonneuve. Elle est gérée par les trois frères Maisonneuve. Et vous le voyez que le parc matériel est assez intéressant et j'espère que vous allez aimer ça. Ici derrière moi, les 8 X9 de l'exploitation. On va aller à la rencontre des patrons qui sont aux commandes de ces machines. On va également visiter le site de l'exploitation avec une grosse capacité de stockage de grains. Et là, on va tout de suite commencer par aller voir Giraud. C'est un Français qui est saisonnier ici. Il est sur un 9590 RX sur un kart de 52 tonnes. Et là, vous le voyez, c'est le matin. Tout le monde se prépare pour aller directement au champ. Le concessionnaire Martin Dealer Line est en train d'effectuer de la maintenance sur les barres de coupe des machines. On va aller voir ça tout de suite. Allez, suivez-moi. Et du coup, une journée de moisson, c'est combien de litres en tout sur l'équipe? Oh, c'était la presse, environ 15 000 litres. Ah ouais, et par machine, ça fait combien par jour? Ah, une machine prend 12 litres par jour. Ça dépend. Ça, une journée, ça va être 900, le lendemain, ça va être 1000, ça dépend. Comment, ah oui. Comment est-ce qu'ils travaillent dans le champ? Ah ouais, ok. S'il y en a qui poussent ou s'il y en a qui prennent leur temps. Ah oui. Bon, de mon côté, je valide le Dodge Ram d'atelier du concessionnaire Martin Dearline avec la petite chef d'atelier, tous les servantes, les établis qui sortent par les armoires sur les côtés. Là, il y a un beau véhicule pour faire du bon travail toute la journée. Ça marche? Oui, ça va bien, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous faites sur les machines? On fait des poêles, on fait des ferro là. D'accord. On fait de l'huile, ça ne fait plus virer. Ah, dans le cul à tourner, quand il y a de l'huile dedans? De l'huile, le ferro là, ça fait de l'huile, il y a de l'huile dans le ferro là. Ça rentre en dessous des rouleaux. On n'a plus de traction, ça fait que notre poêle ne vient plus. Ah, ok. Ça ne combine plus. Tous les jours, vous pouvez les démonter à peu près? Non, ça a commencé à arriver hier, ça. Ok. On a déchiré 3-4 poêles. 3 tapis? Ils ont 3 tapis qui ont déchiré. Sur les 8? Ouais, on s'en va bien ce qui se passait. Puis... T'as un gros boulot de changer ça? C'est pas pire de changer, ça prend pas tellement de temps. Mais... Ça se fait bien? Bien. Ouais. C'est vrai que la combine est arrêtée, fait pas de production. Ah ouais? D'abord, c'est pas beau ça? Ah ouais? On va continuer, on va finir. C'est une petite maladie sur la coupe là? Ben, on sait pas, je pense que c'est condition. C'est assez sèche, que le canot là, il... Ben, ah ouais, ok. Il se défait dans la table, ça, les petits grenouilles de canot là, ça rentre partout. Puis... Ah ouais, ok. Ça fait des dégâts. Tu veux mon pick-up? Ouais, tu veux faire les soupes? Ouais. Donc là, sur la partie logistique de la maintenance matinale, c'est assez intéressant à voir. C'est vraiment industrialisé. On a une équipe qui s'occupe de tous les filtres à air, une équipe des pleins de gasoil, une équipe des pleins d'AdBlue, une équipe de l'entretien des coupes, une équipe du soufflage. Donc là, c'est vraiment à la chaîne, les 8 batteuses et les 3 9RX avec les cartes bandes, voilà. Là, je le vois, il est juste là. On va aller voir. Salut.
Salut Hugo. Ça va? Très bien et toi? Bon, ça va briller. Ouais, qu'on les fasse, qu'on les prépare pour le matin. Un peu de carreaux. Ah ouais? Un peu de fuel. Puis là, t'as le temps, ils sont en train de tout démonter sur les coupes et tout là? Exactement, ouais. C'est un peu la panique aujourd'hui, mais oh, ça va partir d'ici une demi-heure, une heure. Je pense qu'on devrait. On devrait les voir partir. Ouais, ok. C'est juste bon. Une question de temps. Salut Hugo, bienvenue au Canada, bienvenue en Alberta, dans le nord de l'Alberta. Bah, merci bien, merci pour ton invitation. Ah bah, avec plaisir. Et je vois qu'il y a une belle équipe, donc ça va bien se passer pour aujourd'hui. Ouais, on a une super bonne équipe, on a du bon matériel, qui est, bah, comme tu as pu voir, qui est flambant neuf. Ah ouais, bon, on va y voir. Et comme tu as pu voir avec Bertrand, c'est avec, avec mon petit frère Bertrand, ouais. Ouais, c'est avec lui que tu parlais, qui travaillait ici en fait pendant la saison là. D'accord. Et grâce à lui, bah, tu as pu venir voir, je pense que ça avait... Ouais, c'est lui qui m'a beaucoup parlé sur Insta et tout ça. Ouais, et en fait, il me disait que son visa, ça a mal marché pour cette année. Exactement. Il est déjà venu l'année dernière. C'est ça. Et du coup, c'est toi qui le remplace sur son carte. C'est ça, ouais. Ah ouais. Et je suis venu, en gros, on devait venir tous les deux, mais lui, malheureusement, ça s'est mal passé et je suis venu, bah, du coup, tout seul. Ça s'est mal passé que le visa, quoi. Ouais, pas la ferme. Visa, c'est mal passé. Non, la ferme, c'est super bien passé. Ah ouais. Ah bah, y a vraiment une super bonne équipe. D'accord. Les gens sont assez sympas, bah, comme tu vas pouvoir le découvrir. On a vraiment des bons chauffeurs, les patrons sont vraiment très sympas. Ils sont vraiment super ouverts et... Ils parlent français? Ils parlent français en plus, qui est un énorme atout, ouais. Bah, c'est une ferme céréalière de environ 15 000 hectares, ça fait 36 000 acres. Okay. Ils font du blé, du canola, qui est du colza, okay. Et de l'avoine cette année. D'accord. Et dans les autres fermes, tu peux trouver aussi de l'orge, des pois, et un peu de diverses cultures, un peu c'est ce qu'on a en France, tu vois. Et est-ce que tu peux me présenter la spécificité de ces plaines qui sont les plus au nord sur toute la planète, du coup? Et c'est ça, ouais. On est vraiment à l'extrême nord. Les cultures, c'est que des cultures de printemps. On les sème au mois de mai-juin et on arrive à les récolter fin août, début septembre, jusqu'au mois d'octobre. D'accord. Et ça, c'est grâce en fait au temps d'ensoleillement qui est énorme ici. L'été. Vu qu'on est très au nord, ah l'été. Ouais, okay. Il fait pas nuit du tout, quoi. Il va faire nuit, aller au maximum 3 heures à un moment, 4 heures peut-être. D'accord. Tout va assez vite et tout pousse super bien. C'est des terres très fertiles et qui marchent très très bien. C'était des anciens bois ici en fait, okay. Qui ont été défrichés. Et sinon, en quelques chiffres, mettons sur une journée, qu'est-ce que vous arrivez à faire avec cette belle équipe? Avec 8x9 et 3 cartes comme ça? Alors avec le 8x9 comme ça, on arrive à faire environ 2000 acres. 2200, on arrive à monter à 2400, ce qui fait 800 à 900 hectares par jour. D'accord. De récolte, que ce soit en blé, en canola, en colza ou dans les autres cultures. Et tu penses que j'arriverai dans la journée à aller voir la ferme ou... Ouais, je pense que tu auras l'occasion d'aller voir, tu vois, les camions, ils stockent, ils envoient à la ferme et tout. C'est ça. Ils ont des bins, on appelle ça, avec des vis, et les camions arrivent dessous, ils sont directement chargés. Okay. Mais tu vas avoir l'occasion de rencontrer Christian, Mitch et André qui sont super sympas. Les frères Maisonneuve. C'est ça, les frères Maisonneuve. Okay. Les patrons. Les patrons. Donc c'est vraiment une ferme familiale ici. Exactement. Ça paraît industriel par les machines, mais en fait, pas du tout. C'est géré industriellement, mais c'est familial. Ah ouais. Il y a toujours d'ailleurs monsieur Maisonneuve, Bernard, qui conduit une batteuse l'ancien. Avec nous. C'est ça. Ah ouais, il a quel âge du coup? Il doit avoir 70. 70 ah ouais, ans. Ok. Il a une belle X9. Exactement. Une 1000 ou une 11? La 1000. Ah ouais. Ça, c'est mon tracteur, le 9RX590. Il a combien d'heures le tien là? Il a 170 heures. Ah ouais, ok. Celui-là, pareil, il est flambant neuf aussi. 540. Et là, un 540. Et ça, c'est ceux de l'année dernière, des 620. Ils sont un peu plus puissants que les nôtres, même beaucoup plus. Ils ont des 15 litres Cummins, alors que nous, on a des 13 litres 6 John Deere. Ah ouais, ok. Et ça, avec ça, t'es... Il fait beaucoup plus de travail, ouais. Ah lui, ouais. Il a tout seul, en fait, les équipes vont scinder en deux. Lui, il prend 4 batteuses pour lui, 4x9, et nous, on est 2 sur 4x9. Donc il arrive à les fournir quasiment sans problème. Ouais, il court beaucoup, il consomme un peu plus, mais... Le matin, là, tu le vois la différence, ce que vous mettez dans le réservoir. On va mettre là 600 litres à peu près, 700 litres. Une journée de travail. Et les autres, on va être à 400 à 500 litres. Ah ouais, ok. Donc, mais avec ça, il fait aussi beaucoup plus de travail. D'accord. C'est incroyable. Ouais. Et vous en avez un de secours Et il y en a un autre à la ferme, que tu pourras voir à la ferme, un autre 620 comme ça, ouais, au cas où. Ah ouais, qu'attends. C'est ça, ouais. S'il y en a un qui est en panne, toi, il te saute dessus, le chauffeur est prioritaire sur... Exactement, ouais. Tu vas, comme ça, tu vas chercher. Les batteurs, en fait, bon, je te laisse y aller. Ça va. Et je vous suis, du coup. Yes, c'est ça. Ouais, ça va. Ok, salut. Donc ça y est, les machines partent,
Elles ont une vingtaine de kilomètres par les gravel roads pour se rendre dans les champs d'aujourd'hui. Ils gardent la coupe de 15 mètres parce que les routes sont assez larges ici. Elles vont pas toutes se suivre puisqu'elles se divisent en deux équipes de 4. Elles vont quand même être pas très loin, les parcelles sont l'une face à l'autre. Et il y a une équipe qui a deux cartes, donc avec Giro et le 540, et l'autre équipe qui a que le 9620 RX. Voilà. Ils sont partis sur la route, on regarde ça. Derrière moi, Giro part, il reste deux batteuses, elles partent et on les suit. C'est parti, avec le petit Jeep Grand Cherokee 4x4, il est beau. Le chantier avance bien, je vais aller voir Giro dans son 9RX, le camion full black qui arrive, celui-ci est vraiment beau, là,
ça va toujours? Ça se passe plutôt bien. On arrive. On est passé un peu plus humide. Ah ouais, c'est vert là un peu? Ouais, tu vois que les batteries elles avancent quasiment plus là, elles sont à 3-4 km/h. D'accord, et d'habitude elles sont à combien? Il y a 7-8 km/h. Ah ouais, ça diminue de moitié quoi. Ouais, carrément, bah là entre le broyeur et le faire passer toute la marchandise dans le... Dans le rotor, dans les rotors. Dans les rotors, ouais, ça leur tire énormément dessus. Je pense que c'est un peu le bas de la parcelle, mais à mon avis, toute la parcelle est comme ça. C'est les dernières qui ont été sprayées, ça? Ah ouais, en round-up. Arrosé, ouais, c'est ça, en round-up. Donc, ça a moins fait action, le round-up. C'est ça, il manquerait quelque chose. Bon, désormais on va aller avec Mitch, c'est un des patrons de l'exploitation Maisonneuve, Mitch Maisonneuve. Donc là il va me prendre avec la CX-9. Et l'escalier. Ça marche aujourd'hui? Très bien, merci. C'est beau. Ouais, hier vous avez fait une bonne journée? Oui. La bonne journée. Là. Bon, les X9, ça marche bien? Vous êtes content de ces nouvelles machines? C'est des bonnes machines, ça. Au début, on a eu des problèmes avec des choses. On a eu des fuites d'huile et d'autres choses plus sévères. Ah oui? Mais depuis ce temps-là, il marche très bien. Puis, on est bien content. Il y a beaucoup de choses qu'on aime avec les batteuses. D'accord. Avant, vous aviez des John Deere également? On avait des John Deere, des S780. D'accord. Et donc là, celle-ci, c'est une 1100? C'est une 1100. Et les autres, c'est que des 1000? C'est des 1000, oui. OK. On voit la différence quand on vide la combine. Puis, si on est dans où c'est que c'est plus fort un petit peu. Comme ici, là? Oui. Un petit peu plus de pouvoir, ça fait une petite différence. D'accord. C'est le moteur, quand il descend d'RPM, il revient tout de suite avec la 1100. Il est plus coupleux sur celle-là? Oui. La 1000, ça prend 2 à 3 secondes avant qu'il revienne. Ah oui, que celle-ci, c'est plus instantané? Exactement. Ah oui, d'accord, OK. Là, ici, sur l'exploitation, vous faites combien de... quelle surface par moissonneuse? À peu près 4600 acres. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus que la moyenne normale de la région ici. Ben oui. Parce que les années sont... Des fois, c'est si la météo est pas belle, l'hiver vient vite. C'est beaucoup d'arbres par combine. Ah oui. Et là, vous, dans les projets de l'exploitation, vous pensez encore agrandir ou... Bon, ça, c'est dur à dire. Je pense pas qu'on va agrandir comme c'est là. On a assez de terre. Ah oui? Et c'est... parce que là, cette année, c'est pas représentatif de toutes les années, quoi. Oh non. D'habitude, ici, il mouille beaucoup l'automne. Puis des fois, l'hiver vient le 10 octobre. Puis ces années-là, s'il reste, disons, un tiers de ta superficie, si tu laisses les champs pour l'hiver, puis tu essaies de remonter le printemps après l'hiver, la qualité du grain est vraiment plus bonne. Parce que la neige a été dessus pendant 4 mois, quoi. Exactement. La neige, puis la gelée, puis après ça se réchauffe l'hiver des fois. Le grain devient juste... Il est plus bon, c'est pour les animaux. Ah oui? La valeur du grain diminue tellement que ça vaut pas la peine. Ah oui?
Donc là, c'est important de tout récolter avant les neiges, quoi. C'est vraiment important. C'est pas juste ça, l'année après, le printemps après, si tu moissonnes les champs, ça veut dire que tu vas semer plus tard. Tout, éventuellement, tout est en arrière. Ah oui, voilà, tu perds du temps, quoi. Oui, ça va pas bien après ça. Ah oui. Mais c'est vraiment important de finir l'automne. Puis comme c'est là, on a 8 moissonneuses, puis c'est peut-être pas assez pour une année difficile. Ouais, oui, pour une année comme ici, ça va, mais si l'année avait été compliquée, ça serait compliqué aussi. Quoi. Oui, ça ajoute beaucoup de stress. Ah oui, voilà. Et ça fait des pannes et tout ça, quoi. Oui. Et les machines, elles s'enlisent dans les champs et tout ça, quoi. Les années compliquées. Oui. Ah ouais. J'ai des années ici qui mouillent tellement à l'automne que tu peux pas moissonner sans le 4 roues motrices. Ah oui, d'accord, ouais. Tout du long. Quoi. Oui. Puis même avec ça, on fait des traces, puis c'est pas plaisant. Pour l'année d'après, quoi. Exactement. Ah oui. Est-ce que vous pouvez expliquer à mes abonnés l'histoire un peu de votre exploitation? Le commencement et... J'ai essayé de mon mieux. Ouais. L'histoire, ça... Mon grand-père Maisonneuve, il est revenu de la Deuxième Guerre mondiale en 1946. D'accord. Et puis, il est venu ici pour s'installer. Dans ce temps-là, c'était tout du bois ici. D'accord. Il a défriché 12 carreaux, ce qui fait à peu près 2000 acres. 1200 hectares. Exactement. D'accord. Ça a pris à peu près 30 ans pour faire ça. Ah ouais? Il avait des petites machines, il a travaillé fort. Il a passé avec ses mains partout, sur chaque mètre carré des 1200 hectares, il y est passé. Il y avait des arbres comme on voit ici dans la forêt. D'accord. C'était toute la forêt ici. Et des ours alors? Beaucoup d'ours. Ah oui? Oui, il a dit que les ours rentraient dans la cour. C'était vraiment difficile pour eux autres. Il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait pas d'eau potable. Ils sont venus ici, ils étaient dans la forêt. Ah ouais? C'était comme camper, mais pour à l'année longue. Ah oui? Il faisait froid, puis ils ont travaillé fort. Puis, après ça, mon père, il a acheté la ferme en 1973. Et mon père, on avait une grande famille, ça fait qu'eux autres aussi, ils ont travaillé fort. Puis en 1996, c'est l'année que j'ai commencé. Avec vos frères? Avec mes frères. Et là, ça a pas mal... Vous avez pas mal augmenté la surface? Oui. De 1996 à 2022, on a augmenté à peu près 10 fois. Ah ouais? Fois 10 la surface de l'exploitation? Peut-être même fois 20. Ah oui? Mais on travaille bien en équipe. Mon père, il nous a toujours supportés. Il n'a jamais dit non. Et on était jeunes, puis il nous a donné beaucoup de responsabilités. Je pense que c'est pour ça que... Ça a bien marché. Ça a bien marché. Ah oui. Et là, il est sur la moissonneuse de devant, là? Oui, je crois qu'il est ici dans le champ. Je pense qu'il est là, oui. OK. Et il a quel âge? Il a 67. Ah ouais. Et ça lui va bien, la technologie et tout ça, il s'y fait ou? Lui, il trouve ça plus facile que moi. Ah oui? Il s'y est bien fait à la technologie. Oui. Ah pas oui, de problème okay. Avec lui. Ah oui, d'accord. Il arrive à trouver des solutions que l'ordinateur ne marche pas. Il est confortable avec ça. Ah oui. Et même votre grand-père, du coup, jusqu'à temps qu'il était vivant, il a dû vous voir progresser, il devait être fier de vous, du coup. Oui, mes deux grands-pères. Ah oui? Mon grand-père Roy, qui serait le père Jean-Guy, les autres sont à Palère. D'accord. Puis j'ai toujours beaucoup aimé aller là quand j'étais jeune. Lui, il avait une belle ferme, très bien organisée, puis... Il faisait des belles cultures. C'est celle de Jean-Guy maintenant? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, mon grand-père, ouais, il était un bon fermier. Ah oui? Puis, je pense que c'est lui qui m'a vraiment donné l'idée de grandir la ferme. Ah oui, voilà. Fait que j'avais deux grands-pères qui étaient fermiers, puis je prends les bonnes qualités des deux. Puis ça avance bien? Oui. OK. Et vous, quelles sont vos stratégies pour réussir à bien gérer une exploitation de cette taille?
avec le personnel et le matériel et tout ça, faut être carré partout quoi. Faut être organisé, numéro un. Il faut, ici, il faut que tu sois consistant. Si ça marche bien, fais toujours la même chose. Faut pas essayer de changer. Faut pas te peindre. C'est bon de changer, mais des fois, le monde change trop. Ils cherchent de trop changer. Et souvent, qu'est-ce que tu fais, c'est bon. Puis, si tu veux réussir, c'est faut que tu sois consistant. D'accord. Avec les décisions puis les employés. Ça, puis la troisième chose, c'est les employés. Tu as besoin des bons employés. On peut pas faire ça nous autres mêmes. Bah oui, la superficie, c'est trop grand. Bah oui. Ça prend gros du monde, puis ça prend du bon monde. Ah oui, voilà. Et comment vous faites pour garder des bons salariés? Faut une bonne ambiance ou faut bien les payer? C'est le salaire, puis je pense que faut essayer de. Comment on pourrait dire ça? Faut essayer de. Faut que tu sois confortable avec eux autres. Pis, faut être gentil, quoi. Exactement, puis intéressé à leur vie personnelle, puis pas trop, mais juste. C'est bon. Savoir c'est, qui c'est ils sont. C'est pas comme être ami, mais c'est. Ouais, c'est ça. C'est plus que. Tisser des liens. C'est pas juste des employés, c'est des amis. Ouais, d'accord. OK. Ah, bah, c'est bien. On est chanceux d'avoir des bons employés. Bah oui, c'est ce qui vous permet de faire de la grande surface comme ici, quoi. Oui. Bon, là, on va aller voir Bernard, le père de Mitch. Bonjour. Bon, vous allez bien? Oui, et vous? Ça va? Je peux faire un petit tour? Oui. On est fatigué, mais tu viendras pour un tour. Ah ouais? Tu en as fait des vidéos plusieurs? Ouais, ça va, ça marche bien. C'est beau. Ouais, il y a de la belle machinerie. Ok. Juste le tôle. Ah oui. Hein? Ouais, ça va. Alors, tu connais Giro? Ouais, c'est ça. Bah, depuis quand? Oh, bah, depuis que je cherche des fermes en Alberta. Ok. Il m'a dit qu'il avait du beau matériel où il était. Ok. Et Bertrand aussi. Ok. Son frère. Son frère qui était ici ce printemps. Ouais. Un casse tout ça. Ah oui, on sent bien que celle de Mitch elle est un peu plus puissante quand il rentre dans le colza. Oui. Il manque quelque chose dans celle-là. Faudrait que des 1100. Oh, il prend plus de fuel, puis quand que ça force un peu, oui. Ah ouais, voilà, ouais. Ah, faut regarder la consommation aussi de fuel, quoi. C'est ça. Bon. On sait qu'est-ce que ça prend tous les jours, puis. Ah ouais, c'est ça. Ça varie un peu, mais quand ça force un peu, tu elle peux est voir la force un peu plus. Ah ouais, d'accord. Bon, du coup, vous avez toujours été jeune d'air dans votre carrière? Oui, oui, pas mal. Vous aimez bien ça? Mon père avait, dans les 70, il avait acheté comme les 50-10 qui est dans le cours, là. D'accord. Je pense que j'ai pas eu rien d'autre. Ah oui? Et toi, tu fais des vidéos et des YouTube? Ouais, c'est ça. Je vais dans le monde entier me montrer un peu comment que les agriculteurs travaillent dans les différents pays. Et je mets ça en vidéo. Ok. Et là, j'avais pas encore vu des grosses équipes de moisson comme ça, là. À 8? Non. Non? D'un de coutume, on avait 10. 10, ah ouais? Mais les plus petits. Des S? Les S780. Vous en aviez 10? 10. Ah ouais? Et maintenant, vous êtes descendu à 8. Et vous faites le même travail? Oui. Même vitesse à la journée? Ben, le même montant d'ancrage de tous les jours, même plus avec 6-là. Ah ouais, vous faites plus de surface avec 8X qu'avec 10S. Ah ouais? Ah ouais, ça marche bien alors. Mais ils sont 40. On avait 40. 45 pieds de coupe. Et là, c'est 50. Je ne pensais pas que ça marchait bien de même, mais on a eu beaucoup de troupes et des affaires qui vont mal. Là, mais quand elles sont arrivées, celles-là?
Ah ouais? Avec tout. Ben, ils ont été bâtis pendant le COVID. Ah oui? Il manque. On n'a pas de caméra nulle part. Ça marche pas? Non, ils ont pas mis. Ils ont pas eu à temps pour les poser. Ah ouais? On avait des caméras de. Partout. Sur la, à l'arrière et à l'arrière, sur la pipe. Et sur la pipe et dans la trémie. Dans la trémie. Et là, il n'y en a plus. Ah oui. Et que c'est l'autre. L'autre moissonneuse, ils ont deux écrans. Et là, il en manque un. Mais moi, je n'ai rien qu'un. Ah oui. Et sinon, en mécanique et tout, il y a eu des. Pour les lancer, il y a eu des ennuis un peu. Ah oui. Mais on a toujours ça, mais c'était. Comme lui. C'est pour ça que je traîne en arrière, je peux seulement y aller 10 000 à l'heure. Sur la route? Sur la route. Ah ouais? Et toutes les autres vont à 20? 25. Ah ouais? Vous êtes toujours le dernier? Oui. Ah ouais, c'est pour ça qu'il vous appelle Ten Max? Ouais. Sur les GPS, c'est marqué Ten Max? Ten Max, c'est moi. Ah ouais? Ten Maximum. Ah ouais? C'est la boîte de vitesse qui est... Non, il y a de la contamination dans la boîte de vitesse. Puis... démarcher ça quand c'est le temps de faire la moisson. Ah ouais, vous, ouais, ouais. On l'avait déménagé avec le camion du Nord. Ah ouais, ok. Alors que les autres par la route. Ouais. Ah ouais. Je l'ai monté en route comme ça, puis ça m'a pris 2h30. Alors que les autres. L'autre bout de la ferme là-bas, jusqu'à Jean Côté. Ah ouais. Puis là, pour revenir, ça m'a repris 4 heures. Alors, on l'a mis sur le camion, puis on a traîné la coupe. Ah ouais, ok. Puis là, j'étais là avant eux autres, puis j'ai ouvert le. La porte. La porte. Ah oui. Donc à la base, c'était votre exploitation et celle de votre père, quoi. Ouais, ben, mon père, il a déménagé ici après la guerre. D'accord. La deuxième guerre. Il est allé en France puis en Europe pour 6 ans. D'accord. Puis, il a ramené ma mère, elle vient d'Angleterre. Ah oui, il l'a trouvée en France. Il l'a trouvée à Londres. Ah ouais, parce qu'il était en communication ou... Oui. Ah ouais, ouais. Puis, elle aussi. Ah ouais, voilà. Ils étaient dans les... Ouais, dans... Elle était dans les codes. Ah ouais, les codes, ah ouais. Elle déchiffrait les codes. Elle travaillait là, elle travaillait à Bletchley Park. D'accord. Tu comprends l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Et il y a eu un film là-dessus. Oui. Ouais. Parce que ma mère était juive. Ah ouais, ok. Puis l'hébreu, elle parlait l'hébreu. Puis c'est... Puis ça ressemble beaucoup à l'Allemagne. D'accord. C'est pour ça qu'elle travaillait dans l'école. Puis ah ouais. Elle faisait le dactylographe. Facilement, quoi. Oh, 130 mots par minute. Ah oui. Qu'elle faisait. Ouais. Ah ouais. Ça fait qu'elle travaillait pour la British Air Force. À British Air Force. Puis mon père, c'est. Mon père, il était dans les communications. Il était. Puis là, ils sont revenus après la guerre. Puis ici, en 1940. Ils ont pris ces terres ici. Il n'y avait rien ici. Et c'est l'État qui leur a récompensé avec ça, quoi. Ouais. Il avait combien de carreaux quand il. Il y avait le carreau de la maison. Ah ouais, ok. Ce qu'on est là, les deux. 120 hectares, quoi. 160 oak. Ah ouais, d'accord, ok. Fois 2. D'accord, ouais. Puis là, il a acheté 2 autres. Puis là, il a grossi, il a passé beaucoup de temps à déchiffrer. Il aimait bien ça, brûler des racines. Puis... Ah oui! Moi, je vais descendre là, moi. Tu veux descendre? Ouais. Bon, okay. Merci bien. Moi, je te remercie d'avoir venu. Ah oui, ben, avec plaisir. Je suis chanceux que c'est le cas. Ah oui! Et ben, merci de me recevoir sur votre exploitation pour la vidéo. Ça m'a fait plaisir. Ok, parfait. Bon, ben, merci. Et bon voyage. Merci. Setbacks just led to something more major. Can't stop me now, you can't stop me. Can't stop me now, you can't stop me.
et dans la région de Cap-Breton.